Tam, il n'y a aucune raison pour que les autres ne t'aiment pas. Tu sais, ceux qui se moquent sont souvent ceux qui sont le plus à plaindre. Bah c'est bon, je suis grosse, pas débile. T'es la meilleure, Tam. T'es la meilleure. Meuf, on est ensemble. Salut les trolls. Alors, c'est la rentrée des grâces. Si on veut se faire respecter, c'est maintenant que ça joue. Le prochain mec qui rentre, il est pour moi. Ok, vas-y. Diego, Tamara, pardon. Ça me le fait tout le temps. Dès qu'un mec me regarde plus de 2 secondes, j'ai l'impression d'avoir une étiquette grosse sur le front. Diego, c'est pas un mec pour moi, c'est tout. Yoli, toi tu sais quelque chose. C'est qu'elle a envie d'embrasser un garçon. Non, non, c'est pas ça. Non, Tamara, les garçons, ça l'intéresse pas. Tiens, salut Culbuto. Bah qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas montrer à Diego comment tu plonges? Faut que tu montres ce que t'as dans le bide, ma vieille. Je suis sûre que t'as plein de trucs dans le bide. Allez, allez 11! On est à 11! On recommence! Tu crois qu'un garçon il pourrait tomber amoureux d'une fille comme moi? Tu vas pas sortir comme ça? Ça va pas, non? Halloween, c'est la fête des morts, pas des prostituées. Bah super, merci, ça fait 2 heures que j'essaie de ressembler à Amy Winehouse. C'est quoi une prostituée? Je savais pas que t'étais drôle en vrai. Tu les as défoncés. Tu fais que des conneries en ce moment. Qu'est-ce qui t'arrive à la fin, merde? Je grandis, maman. Ah, ah ouais, tout ça? Si on n'a pas pécho avant les vacances, c'est toi qui l'as dit, c'est mort. Donc pour moi, changement de stratégie. Hé, Zach, ça te dirait d'aller au cinéma avec moi demain? Ouais, ouais, pourquoi pas. Cool. Comment t'as mis la pression pour moi? Hé, Anaïs, ton roi charmant, il est là. Bataille des grenouilles! Je vais te faire comprendre que je suis pas une pauvre meuf là. Je vais aller choper un autre mec. Mais qui? Je sais pas, le premier qu'on croise en sortant. Bah alors les filles, on se fait les câlins dans les toilettes? Non.